Après avoir atteint l'âge vénérable de plus de 90 ans, à l'instar de Jean-Marie Le Pen, le journaliste Philippe Bouvard constate une détérioration progressive de sa santé. Il s'est confié dans une entrevue émouvante sur C8. Lors de cette émission, animée par Jordan Deluxe, Catherine Lara, une figure illustre, a également été invitée et a révélé pourquoi elle portait toujours ses lunettes sur le nez. Jordan Deluxe a ensuite conduit une interview inédite avec le journaliste Philippe Bouvard. Lors de son émission, chez Jordan, Jordan Deluxe a eu l'opportunité d'interviewer le célèbre « roi de la radio », Philippe Bouvard. C'était l'occasion pour lui de l'interroger sur son état de santé. À l'âge de 93 ans, le créateur de l'émission « Le Petit Théâtre de Bouvard », avec la participation de Mimi Mathy, semble toujours être en bonne condition physique malgré son grand âge. Cependant, selon ses propres dires, les apparences peuvent être trompeuses. Dès le début de l'interview, Philippe Bouvard a admis qu'il n'avait pas remarqué la présence de Jordan Deluxe. Il a plaisanté en disant qu'il était « encore en vie, mais pas complètement », faisant référence à sa vue défaillante. Il a évoqué les infirmités et les handicaps qui accompagnent le grand âge, mais qu'il a appris à surmonter. Sur C8, il a déclaré « Le grand âge m'a apporté quelques infirmités, quelques handicaps, mais j'ai appris à m'adapter ». Lorsque Jordan Deluxe lui a posé la question « Comment allez-vous, Philippe Bouvard ?», le journaliste est resté très lucide sur son état de santé. « Je vais aussi bien qu'on peut aller à 93 ans. Et je vais aussi bien que lorsqu'on sait où on en est à cet âge-là », a-t-il répondu avec un léger sourire. « Je me porte aussi bien que lorsque, à 93 ans, on continue de travailler », a-t-il ajouté. « Je crois être l'un des doyens de la presse française », a affirmé Philippe Bouvard avant de mentionner ses problèmes de santé actuels, attribuables à son âge avancé. « Ma vue est affaiblie, mon ouïe fait souvent défaut, mais pour le reste, ma mémoire est intacte, et elle regorge de milliers de souvenirs qui m'ont permis de publier 69 livres », a déclamé Philippe Bouvard. « Le temps qui passe vous fait-il peur ?» lui a alors demandé Jordan Deluxe. À cette question, Philippe Bouvard a répondu, toujours dans une belle langue de Molière. « Oui, bien sûr, parce que le temps qui s'écoule est un temps qui finira par s'arrêter », a-t-il répondu avant d'ajouter avec humour que le plus difficile pour lui est de jouer au poker. « Je continue à y jouer de temps en temps, mais je suis accompagné par quelqu'un qui me donne des informations sur les cartes du croupier », a-t-il assuré en souriant.